Hey yo à tous et à tous, c'est Ricard et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale parce qu'on est avec Ryzen. Salut! Salut les gens! Donc les potos, on est là. Donc vous voyez, il y a le petit site qui est juste à ma gauche, à la droite de Ryzen, je pense, à mon avis. Bref, il y a un petit site qui nous permet de voir une vidéo tous les deux au même moment. Et pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce qu'on a vu il y a récemment un milliard de gens qui nous ont spammé qu'on était passé dans la vidéo de BlueReal. Donc BlueReal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un youtubeur de 300 000 abonnés avec son pote Shuto qui a 125 000. Et bah du coup on a eu un spam total quand on était dans la C'est vidéo, donc ça. voilà. C'est ça. Du coup, on a dit, on va faire une petite vidéo réaction parce qu'il y a deux, trois choses quand même qu'ils ont quand même coupées au montage pour bien arranger à leur sauce. Donc, Ouais. on va quand même faire une petite réaction de tout ça. Puis après, il y a des moments drôles quand même. Donc franchement, en vrai, la vidéo, vous allez voir, elle est quand même plutôt bien. Mais Ouais. on va réagir du coup à chaud. Et sur ce, moi je te propose, on va au début de la vidéo et on commence. Ben, vas-y. Je te laisse lancer, mon ami. Vas-y. Il y a un mec qui m'a tué, il s'appelle Arrête Fortnite. Le seul truc que j'ai envie de faire, c'est de les prendre, de les retourner. Genre, il a même pas le temps d'arriver, qu'il se fait déglinguer contre Et là, on a tout le monde. En Cannelle, fait, les il a gars. passé On a une vidéo par là. Cannelle. Ouais, Cannelle. Pseudo, c'est Arrête Fortnite. En vrai, vous savez quoi? J'ai juste signalé le mec là. Si dans les 5,67 secondes tu likes pas la vidéo et que tu t'abonnes pas avec la cloche, tu seras collé tous les jours jusqu'à la fin de l'année scolaire. Alors, j'ai arrêté la vidéo, mais on est d'accord, cette pratique-là. C'est pas fou, quoi. C'est pas fou. C'est pas foufou, quoi. Encore que vous le fassiez à BlueReal, ok, mais faut le faire à nous aussi. Donc non, les 7,5 secondes, si tu likes pas, tu meurs. Non, C'est trop ça, ouais, les gars. bon. Putain, il est en train de s'étouffer, Ryzen. Bon, allez, on continue. Non, mais je suis un peu malade, moi. J'ai le coronavirus, alors tu sais. Ah merde. Non, les C'est gars, mon comment? objectif c'est d'avoir les 400 000 abonnés, donc si vous voulez m'aider, likez et abonnez-vous. Alors aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une vidéo streamhack. Alors dans cette vidéo, on a streamhack un streamer en partie perso. Les gars, pour ceux qui veulent un nouvel épisode, mettez le code créateur Borel dès que vous vous connectez sur Fortnite. Ou C'est pour ceux qui le celui feront, vous est êtes les meilleurs. code créateur RC, RC Ryzen ou Bokuni, tout simplement. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de C'est pas youtubeur Boréal. streamer. Ouais, C'est mais pas Boréal. alors, ça peut être les deux, hein. Ça peut être un youtubeur streamer, hein, je sais pas. Moi, il a dit j'espère qu'il n'y a pas un youtubeur streamer qui va me streamer. Tu sais qu'il n'y a que toi, moi. Ouais, j'avoue, en vrai, je sais pas comment il sait. Mais bah ouais, je sais parce que je suis un devin, mon pote. Je vais C'est trop être dans ça. Ferme-la. votre groupe. Non, ta mère. Ferme-la, ferme-la. Non, viens, venons, voilà. Ah, par contre, oh, Wow, c'est tu cool. vas dans le groupe. Les gars, ils spawnent où là? Enfin, attends. J'arrête, mais tu vas dans le groupe de quelqu'un, tu spawns, t'es en section comblée. Ah, le mec, le premier truc qu'il dit aux abonnés, c'est ferme ta gueule, quoi. C'est pas ouf, ça C'est donne pas ça. une bonne impression dès le début, quoi. Non, pas trop, non. Regardez. C'est pas foufou pour des mecs qui ont 300 000 abos. Enfin, pour un mec qui a 300 000 abos et un autre qui a 127 000. Bah. Bon, de toute façon, j'ai envie de vous dire, les amis, si vous voulez savoir exactement leur motivation sur YouTube, vous allez regarder la rediff de mon live. C'est la rediff de, je sais plus quand c'est qu'ils sont venus. Attendez, je vais vous dire ça vite fait en 2 secondes. Tac, tac, parce que moi, je suis au taquet. En 2 secondes, attendez les gars, en 2 secondes, hein, Non. vraiment. Il a dit en 2 secondes. Voilà. C'est la rediff. Eh, j'ai même pas la. Ah si, la rediff du 19 février, les gars, vous allez voir. Et ils expliquent clairement, parce qu'ils ont tout coupé dans leur vidéo, mais ils expliquent clairement pourquoi ils sont sur Fortnite et pourquoi ils font ce genre de contenu. Hein. Donc, en 2 secondes, vous pouvez très vite savoir pourquoi ils réagissent comme ça. Mais c'est pas cool, c'est pas cool. De toute façon, nous, vous allez voir dans la deuxième partie de la vidéo, parce que la première, c'est tout écarte. Et la deuxième, c'est moi. Vous allez voir que dans la deuxième, il y a ma chef modo qui était pas. Les aimait pas beaucoup. Un peu, ouais. Un petit peu, bah, je n'aimais pas. En vrai, vous allez voir, les gens, je suis le mec le plus cool au monde. J'ai genre rien Il est fait. claqué, gros. Regarde son shoot, il est claqué. Putain, il s'est fait tuer, mais mec, il est nul. Il est nul, claqué, dégueulasse. Il sort de finir. Oh, nul les claqué bâtards. d'écarte, nul claqué dégueulasse. Nul claqué Fais-toi mon cas, dégueu. t'es mort dans la... Ok. T'es mort, t'inquiète, vas-y. Ouais, Je voilà, sais, je l'animation, sais, on je dirait sais. que t'es mort, comment? De ouf, mec. Là, en vrai, j'aime bien l'animation en mode Bien réanimé. joué. En Bien mode, faut joué. pas qu'il se fasse griller et tout, j'aime bien. A plus les bolos! A plus les bolos! On se casse, on se casse! Ciao les nazes! Ciao les nazes! En plus, on a laissé notre pote mourir! Ouh! On va C'est sérieux, tirer les toi? coups de notre pote. Oh, j'ai tué un mec! Oh, j'ai tué un mec! J'ai lancé une grenade! BG. Vas-y, t'es prêt? BG, Prends-moi! BG. Alors là, petit arrêt! What? Petit arrêt sur image quand même sur le mec
qui est streamhacker méchant, mais qui se fait tuer au lance-roquette. Moi, j'ai envie de dire, c'est ce karma. Ouais, c'est trop ça, le karma. Mais derrière, ils arrivent quand même à faire un top 1. Ouais, ils arrivent quand même à faire top 1, ouais. Mais après, bon, généralement, le top 1, en partie comme ça, genre, les gens, ils sont gentils, tu vois, donc c'est facile de ouais, faire et puis 1. La plupart, les quittent, donc dès qu'ils ouais. voient que le streamer est mort, bah, enfin, je sais pas comment tu fais toi, mais moi, dès que je suis mort, je quitte, quoi. Ouais, non, mais moi, c'est perso pareil. Du coup, les gens, ils quittent instant, et du coup, il reste que les méchants entre eux, ou alors les gens qui ont du décalage, souvent. Donc, bon, faire top 1, c'est assez facile dans cette situation. Tu vois, même l'enfant de Raizen le dit, il le ça. Dit, c'est facile. Il a raison. Il a raison. C'est facile, il a raison. Bah, ouais, je continue. Comment c'est possible? Je pensais que c'était mort, je pensais qu'on avait perdu. Il est nul, claqué, dégueulasse. Je dois c'est arrête Fortnite. Moi, mon pseudo, ce serait arrête de parler. Tu disais ça pour qui ça je disais ça pour MC Vortex, hein. je disais pas ça pour eux. Moi ce serait genre arrête de parler parce que j'aime bien taquiner les gens qui sont avec moi. D'accord. J'ai tué. Bah forcément. Élimination par Supreme Fortnite Team Team en fait. Bon, vous savez les gens que vous perdez votre temps, moi je suis le mec qui a le plus de patience au monde. C'est ce qu'on va voir. Ils sont restés une heure sur mon stream les gars, une heure. Et ils ont quitté parce que à la fin c'est eux qu'on a eu marre quoi. Il est en train de réanimer son pote. Il est en train de réanimer son pote. Ici. Vas-y, tue-le. Il est mort deux fois de la même façon. Très bien ça. Bon après ils ont bien coupé pour que ça les arrange quand même. Ah ouais. Je te filerai la rediff et j'essaierai de retrouver le timer du moment où ils arrivent pour que tu voies vraiment tout le truc. Mais bon, relou, hein. Ok. En fait, il a été fait à l'envers, il a pas été fait à l'endroit, il a été fait sur le côté. Sa mère, elle a fait des 3-6. franchement, c'est ce que. Sa mère, elle a fait des 3-6. Non, mais MC Vortex, c'est genre. Et encore, là, c'est rien du tout. Je pense qu'à mon avis, ils auraient pu mettre des choses beaucoup plus trash. Parce que MC Vortex, il pétait des plombs. Moi, pour j'étais. Le coup, pour le coup, ils étaient venus te faire chier à toi. Mais au final, c'est ton pote qui a pété un câble. C'est totalement ça en plus. Mais ça c'est moi c'est pareil en fait parce que en vrai tu sais moi j'ai pas pété un câble mais du coup c'est Canel qui a pété un câble à côté. Du coup c'est à peu près pareil tu vois. En fait son titre ça devrait être je fais chier les potes des streamers. Ouais c'est trop ça. Oh mon dieu. Mais moi ouais c'est vrai ils sont restés une heure sur mon live et genre j'ai pas pété de câble et au final ils sont partis d'eux-mêmes à la fin. Parce que eux-mêmes ils devaient avoir marre à la fin. Enfin troisième game à mon avis là t'as plus que 3 games déjà. Ouais c'était bien plus de 3 games. Mec il se fait rire par rapport à un lama rose, tu sais le skin dégueulasse, je sais pas exactement où c'est. Mais dans cette game là c'était même pas eux qui m'avaient tué, c'était quelqu'un d'autre qui m'avait tué. Ici. Je sais pas qui c'était mais. C'est bon je tue le lama. Le moindre skin Bambi qui s'approche lui. En face de moi. J'aime bien le moindre Bambi qui s'approche après je le vois, je fais oh non. Eh merde, je suis couché, je peux plus. du gars aussi. Dès que je vois un skin Bambi gros, il se prend une balle. Mais moi je sais pas toi, mais moi je les connaissais mais pas du tout avant qu'ils viennent sur mon live. Hein. Ah non, moi non plus je les connaissais mais pas du tout. Au revoir. Genre, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez Blue Real avant ou pas. Moi, c'est une connaissance, je ne savais pas qui c'était. Actuellement, j'en ai soulevé un. Le deuxième, what? Attends, il fait pas. Ouais, il a profité d'un bug aussi parce que j'ai vu que pendant genre 5 minutes, il y avait une Harley Quinn qui volait. Elle était là, elle volait dans le ciel. Elle était bien, quoi. Elle faisait sa petite vie. C'est elle, avait ça. Elle avait pécho les pouvoirs de Superman, elle était heureuse. C'est ça. Totalement heureuse. Je vole, qu'est-ce qu'il y a? Ne m'enfuis pas, je vole. Je sais pas, barre-toi avec moi. Non, mais tu m'as lancé sur. Ah, mais c'est bon qui m'a tué, c'est. Le mec qui m'a tué, bah c'est le streamer. Blue Real et Shuto. Ah putain, en vrai, il y avait vraiment les deux. Le petit bug fond vert qu'on aime bien. Je sais pas. Comment t'as fait pour avoir le jeu en français, toi? Moi, il est tout le temps en anglais, mon jeu. Ah mais ça c'était avant hein, mais moi je suis en anglais aussi. Merci au passage à Melvin LG pour l'abonnement aussi. Et par contre les gens, oh je vais expliquer ce passage là, tiens, le passage où je signale justement Arrête Fortnite, je l'ai expliqué en live, je savais à 200 000% que c'était un youtubeur, je le savais.
que c'en était un. Et vous pouvez regarder ce live à ce moment-là. J'ai fait genre 7 ou 8 heures de live. Et j'ai pas signalé une seule personne dans ce live, hormis lui. Parce que justement, je savais que c'était un YouTuber et je voulais faire connaître un petit peu mes signalements bizarres et justement voir la réaction qu'il aurait par rapport à un signalement mais totalement chelou qui n'a rien à foutre là-dedans dans Fortnite. Ouais, Ecarte, il aime bien faire ça. Lui, quand il signale, c'est toujours des trucs mais qui n'ont rien à voir avec la situation, mais il le fait quand même. Genre, les mecs, ils vont se dire « Ah ouais, d'accord, c'est un signalement. Ah ouais, il a fait un truc de fou. » Mais pas du tout. À mon avis, je pense qu'il y en a, il y a plus d'un agent d'Epic Games qui doit se fendre la gueule quand il voit les signalements, je pense. Hein. Je serais choqué d'apprendre que c'est un robot, en fait. C'est pas un... Ah. T'imagines. Je te merde. Bon, attendez, je vous fais la lecture quand même. Cette personne est totalement aussi intelligente qu'une tartine beurrée qui se retrouverait dans les océans afin de nourrir des poissons géants qui sentent le fion de morue faisandée. Signé, je sais plus quoi. Voilà. Oh merde. Ah ben j'ai. Oh merde, j'ai cliqué sur le truc comme un con. Voilà. Il y a un beau travail de montage, on disait il y a pas longtemps, mais. Vraiment pas mal. Attendez, faut que je retrouve. Oh, je suis désolé. Voilà. Bon, les gars, écoutez bien. Oh. C'était juste avant. C'était ta partie, ça. Voilà, tiens, là. Bon, signaler. Voilà. Signé. signé Tortue Géniale. Voilà, Tortue Géniale. Ah, DBZ. Parce que à ce moment-là de la vidéo, ça devient un petit peu compliqué. En gros, les gars, le streamer que vous avez vu, on a arrêté son stream. Il est parti raid un ami à lui qui est youtubeur. Et son ami faisait aussi de la PP. Du coup, on est parti sur son stream et on l'a streamé. En gros, faut savoir, les gars, qu'il était sur Discord pendant qu'il faisait son live. Donc, moi, j'ai rejoint son Discord, j'ai parlé avec lui. Et pendant qu'il parlait et qu'il jouait, et à ce même moment, moi, je faisais que de le streamer et de le tuer. Et il a pris beaucoup de temps pour comprendre que c'était moi. Donc, continue de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Comment mais ça... alors que pas du tout en vrai. Ça va, ça y est, c'est toi. C'est la pauvre tâche. Ouais. Alors, toi, tu vas te calmer, déjà. Donc, le thème, je rappelle encore une fois, c'est noir et blanc, les gars. Donc, let's go, on lance. Je vous laisse que le mien gagne. Ok. Ouais, j'ai hâte de voir parce que toi, t'es quelqu'un d'assez sanguin aussi. Donc, tu ça, peux, ouais. Tu peux être bien, mais il y a des fois, tu vas lâcher un bras, nique ta mère, toi. Ah ouais, gars, oui, mais je l'ai lâché, toi. J'ai oublié ma balle, je sais pas, il a pas capté que c'était moi, il a pas capté. Je sais pas si c'est vraiment la première game, ça, là, en fait. Ah ouais? Je sais plus. Quand tu parles bien, n'hésite pas à faire un petit stop à la vidéo, comme ça je peux bien... Peut-être des fois je confonds entre ta voix dans la vidéo et ta voix là. Donc... D'accord, ma poulette. D'accord. Ah ok, wow. Il est mort. Ça marche. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah tu mens. Je suis en train de danser. On te demande pourquoi tu l'as pas signalé. Parce que ça sert à rien, enfin, chaque fois que oh, le signale, moment triste. Les mecs qui sont pas bannes, donc ça sert à rien. Azen, est-ce que t'as un code créateur pour que je le mette? Putain, c'est Emile qui parle? Non, c'est qui a demandé mon code créateur? Ah, mais c'est moi, c'est toi. Ça, c'est quand ils sont arrivés sa voix, Emile, il a dit qu'il a 13 ans, il a une voix de daron. Ah non, mais moi j'ai 14, non, rien à voir. T'as 14? MDR. Ouais, mon frère, t'as pas 14. T'as pas 14 ans, Clash. Mais mec, t'as la voix d'un mec de 20 ans. Vas-y. Même, ouais, non, plus. Non. Ah, bah, c'est je te garantis après, dessus. Mais normalement, t'as non, un mec qui dit ouais, c'est Chuto, et je le dis en vocal. Et vous voulez qu'on vous serve de garde du corps ou pas, genre? Mais en fait, ça sert à rien, genre, il a même pas le temps d'arriver qu'il se fait déglinguer, donc. Mais c'est pas c'est ça que je comprends pas. Des gros. On parle mieux, s'il te plaît. On parle mieux, hein. Mais c'est quand même Canet qui a dit ah, des gros. Sous-entendu. Et on parle mieux quand même, mais c'est des gros, voilà. Des gros quoi, le mec obèse quoi. Ah bon, c'est des gros quoi. Ah bon, Canel elle est mortelle. Non mais après c'est nerveux. Ils ont fait beaucoup de monde. On parle mieux. Bonne chance. Non, mais vous savez qu'on est sur Fortnite, genre la moitié de la communauté elle a moins de 15 ans. On parle mieux. Non mais on voit pas ta carte en vrai. Ouais, c'est toujours le même. Fortnite. J'aime bien Ryzen. Ouais. Je suis mort, hein. C'est très simple. C'est ça. Comme d'hab. Moi je suis à côté, je suis à Sati, les gars. Je me stoppe. Mais ça sert plus à rien du coup, non? Bah non, c'est ça. Ah, ouais, c'est ça, t'as tout compris. Je suis t'as tout compris. T'es malin toi un peu, non? Canel derrière. T'es malin toi un peu. Hey, t'es pas con. T'es pas bête. Tu sais, c'est en mode eh, mais t'es pas con cool, toi. Hey, t'es franchement ça va. Okay. Oh putain. Oh, mon Dieu. Et toi Canel là t'es en train de jouer ou quoi? Non.
Mais moi je joue pas en fait, je trouve que c'est un jeu un peu. Bah tu sers à quoi alors? Du coup c'est quoi votre contenu à ça? Attends, mais c'est pas fou en fait votre contenu. Attends, c'est écrit elle a trouvé ma chaîne. Mais comment elle a fait pour trouver la chaîne? Mais parce qu'en fait, justement, ils ont coupé. Ouais. Juste avant, t'as les personnes qui disaient c'est Shuto. Du coup, moi, j'étais allé voir sa chaîne. J'avais lancé la vidéo qui était, tu sais, en bande-annonce, là. Ouais. Et en fait, c'était exactement la même voix. Donc, du coup, je l'avais cramé. Et j'avais dit, ah ouais, mais en fait, t'es Shuto. J'ai dit, t'es Shuto, en fait. T'es, voilà, t'es cramé, quoi. Et en fait, il dit, non, c'est pas vrai, je suis un fake et tout. Je dis, ouais, mais si, en fait, t'es Shuto. Et du coup, Canel, elle dit, ah ouais, mais c'est qui et tout. Mais du coup, je dis, bah, c'est Shuto, regarde leur chaîne, c'est la même voix et tout. Et c'est pour ça qu'elle dit, ah ouais, et tout. Mais c'est pour ça qu'ils ont coupé. Ils ont coupé comme ça, les arranger en fait. D'accord, d'accord. Ils font chier, ça servira pour la chaîne. Vous ça fait chier. Au moins, ça servira pour la chaîne. Ouais, c'est totalement. Mais, pas, vous... mais c'est moi, ça. Vous venez parler de quelque chose, enfin, je sais pas. Non, mais moi, vous venez pour faire quoi en fait? Moi, j'ai un objectif. C'est là qu'ils vont prendre un tège après. Supprime Fortnite. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, franchement. Intéressant. T'as quel âge, Ryzen? Intéressant. Mais en vrai, pour le moment, la vidéo elle reste quand même sympa, ça va. Franchement, il n'y a, y a pas de mal. Moi personnellement, je sais pas toi, mais pour me faire streamer, que ce soit par un youtubeur ou que ce soit par n'importe. Par Jean X. Enfin, on a l'habitude quoi. Donc moi ça me dérange. Ouais, pas. On a l'habitude. Après là c'était chiant parce que du coup, vu qu'il me tuait genre instant que je pop, ben, en fait ça a vidé mon live quoi. Bah, le truc c'est justement c'est ça, c'est ils veulent réagir, enfin ils veulent que ce soit hyper chiant pour avoir des réactions. Mais ouais, je sais, mais là pour le coup c'était juste ça qui m'avait blasé, le fait de me faire tuer, bon, m'en fous tu vois, parce que comme je dis, ben quand les mecs ils me streament trop et qui me cassent les couilles, ben je demande des objectifs de like et en fait ça casse plus les couilles à eux qu'à moi. Donc, ouais. Au pire, je m'en bats les couilles. Sauf que là, pour le coup, ce qui était chiant, c'est que ça avait fait fuir tout le monde. Parce que les mecs, on avait marre qu'on attende 10 minutes pour lancer une game et que je pop et je crève instant. Du coup, ça avait vidé tout le live. Il restait même pas 20 personnes sur le live. Et du coup, c'était ça qui était chiant. Mais bon, comme j'avais dit et que tu as vu tout à l'heure, je dis, bon, ben, pire si ça fait chier, ça fait chier. Mais bon, ça servira à la chaîne. Moi, personnellement, je n'ai pas eu de problème sur ça parce que j'étais à ce moment-là à 130 viewers, il me semble. Et bah du coup ça arrêtait pas de monter parce que du coup les gens ils savaient que Blu-ray elle était en train de stream hacker. Ils étaient pas en vovo avec moi hein, donc ils seraient en vovo à mon avis ça serait monté plus. Mais après les gens ils restaient même s'ils se faisaient tuer justement ils voulaient essayer de m'aider pour éradiquer justement la menace. Ce pseudo menace. Mais voilà. Après, mais en vrai c'est pas dérangeant. Moi je trouve ça même marrant de me voir dans une vidéo comme ça et je préfère que on me streamhack méchant et que ce soit pour un but derrière, que ce soit utile pour une vidéo ou que oui, ce soit utile pour quelqu'un. Oui d'ailleurs sur le vocal après quand t'es venu après sur le vocal, ils nous avaient même dit si ça nous cassait les couilles ou pas qu'on passe sur leur vidéo. Ouais, d'ailleurs ils étaient très gentils les gens, sachez que on est passé volontairement, ils nous ont demandé, ils ont été trop sympas à la fin, et vraiment ils sont dans le but de on fait chier le monde au début pour essayer d'avoir une réaction, mais après on va voir la personne, bon voilà, vraiment si la personne elle est gênée de ça, bah, elle s'en va et ils arrêtent quoi, ils sont gentils. C'est ça, c'était vraiment le... Au début, bon, ils sont venus après nous demander parce qu'ils ont vu que ça commençait à me saouler parce qu'au final, bon, je savais que c'était eux, du coup, c'était plus vraiment drôle. Et surtout parce que ça vidait mon live, donc du coup, ils ont vu que ça commençait un petit peu à m'énerver. Pour ça qu'après, ils ont arrêté et qu'ils ont dit, bon, les gars, voilà, si vous voulez quand même passer sur la vidéo, il n'y a pas de souci et tout. Du coup, on leur a dit, oui, vas-y, sans problème. Ouais. J'avais déjà niqué le live, fallait bien que ça serve à quelque chose. Donc, voilà, mais sinon après, bon, c'est marrant. Après, comme ils nous ont dit, hein, c'est plus marrant d'être dans la peau des streamhackers que d'être dans la peau du youtubeur à ce moment-là, forcément. Forcément. On va tester, on verra. Bah, dites-moi. Le jour où il lance un live, on le fait, les gars. Le jour où il lance un live, on leur fait péter un plomb. Ouais, mais ils vont pas le faire, je pense. Ils vont pas le faire. Mais sur ça, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires éventuellement si vous voulez des streamhack. Enfin, est-ce que vous voulez que nous on streamhack aussi pour voir ce que ça fait? Genre, même juste une vidéo, voir et après on arrête. Et au pire des cas, même la personne qu'on streamhack, on lui fera un petit cadeau pour le compenser, tu vois. On verra bien, les gars. Bon, sur ce, on continue la petite vidéo. Super. Mais je sais pas, t'as dit que t'étais un fake. Du coup, on sait pas si t'es le vrai ou pas. Ah, on a du mal, hein. Là après on s'amuse à le prendre pour un con là. On savait que c'était lui mais. Ouais. Tu travailles, t'as entendu?
Juste avant, tu te rappelles quand j'arrêtais pas de leur casser les couilles en faisant hey, dis voilà, dis voilà. Oh, il l'a pas. Ah, il l'a pas mis le dis voilà en plus. Il a coupé oh, tout non. Le truc du dis voilà, sauf à la fin. Parce qu'à un moment, je vous explique. Je savais que c'était eux. Et du coup, ben moi, je l'ai trollé. Et du coup, quand il parlait, j'étais là, mais vas-y, dis voilà, dis voilà. Mais en boucle comme ça, dis voilà, dis voilà. Et lui, il disait, il était là, ben voilà, voilà. Et là, il a coupé. On a entendu juste le dernier dis voilà à la fin. C'est dommage, c'était drôle, ça. Ah, c'était trop drôle. Ouais, c'est dommage que c'est pas passé dedans. Mais d'ailleurs, je vois, en fait, il a coupé toute la partie où moi, je suis passé sur ton live, en fait. Mais c'est ça, mais en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais toutes les games, elles sont toutes mélangées, là, dans ma partie. C'est pas à la suite, en fait. Il a pris des bouts de game qu'il a mis avant, qu'il a mis après, parce que ça, au moment où je dis justement le dit voilà et tout, ça doit être la 2e ou 3e game, sauf que ce qui s'est passé avant, c'était plus tard, en fait. Ouais, parce qu'en fait, je vous explique, les gens, moi, j'étais mort de rire. Parce qu'en fait, il est venu stream avec moi pendant une heure, et après, j'ai raid Ryzen. Et du coup, bah, en fait, Ryzen, il était sur son live et tout. Et du coup, bah, eux, ils sont passés sur son live à lui pour voir s'il y avait plus de réactions, parce que moi, j'avais rien. Voilà. C'est le cadeau du raid. et du coup, en fait, ils étaient sur le live de Ryzen. Du coup, ils essayaient de le faire rager, machin, etc. Et à un moment, je reçois un message de Ryzen sur le Discord qui me dit « Tu connais, c'est qui, Shuto et tout ?» Je dis « Bah oui, il vient de me streamer qu'à 2 minutes. » Et après, je vois, il y a Ryzen en convo sur Discord. J'essaie d'aller voir. J'entends Shuto derrière et tout. Je fais mais salut. Et après, les mecs, ils ont pété un câble, ils ont fait mais c'est le mec qu'on arrête il y a 5 minutes. Et en fait, on était morts de rire parce que du coup, ils savaient pas que j'étais affilié aussi avec Ryzen, tu vois. Ils pensaient que j'avais peut-être raid quelqu'un random, je sais pas. Et quand ils sont arrivés sur le Discord, ils m'ont dit, ouais, putain, t'as 1400 abos, enfin 1400 personnes sur le Discord pour un mec qui a que 5000 abos, putain, c'est propre. Et c'est qu'après qu'ils ont fait le rapprochement, qu'en fait, on est team de youtubeurs et qu'on était tous centrés sur un seul Discord, et c'est là après ils ont fait ah ouais mais en fait vous êtes une team et tout, ouais. C'est pour ça après c'est en vrai on a passé un bon moment avec le Discord parce qu'en vrai ils étaient sympas. On a bien parlé ensemble, franchement ils sont cool. C'était cool, mais Canel elle a perdu son sang-froid trop, c'est ça qui est parce que fait, et bon à un moment ils ont abusé avec Canel, d'ailleurs vous avez donc ça c'était pas trop cool, d'ailleurs je leur ai dit après, mais bon ils l'ont enlevé du montage, mais ça t'enlève toute cette partie en fait. Moi je savais que c'était eux. Donc du coup, ben c'était drôle, mais moi je faisais exprès de pas les bouger parce que c'était drôle, tu vois, je savais qu'ils tournaient une vidéo en plus. Donc, parce que quand je suis allé sur leur chaîne, j'ai vu toutes les dernières vidéos, c'était que des trucs comme ça. Ouais, c'était donc, des streamhacks, bon, des défilés, etc. J'ai dit bon, ok, voilà, j'ai dit quitte à nickel live, ça servira peut-être pour la chaîne derrière, on retombait, on verra, tu vois. Et Canel, elle a perdu son sang-froid trop vite, c'est ça qui est. Mais après, ça a donné de bonnes séquences aussi parce qu'elle. En vrai, ouais, et Canel, franchement, c'est la meilleure. De toute façon, vous allez voir, je pense qu'il y a l'énervement de Canel après, je crois. Donc on va continuer. Quand elle était, ouais. Bah écoutez les vidéos, on va vous laisser le reste, les gars. Oh. Il va se calmer un peu là. Je pense qu'il est vénère, je pense. Alors, oh, Canel, toi, j'ai pété le cul quand je vais te voir là. Ah, c'est là. Oh. Ouais. Moi, j'ai mais ta saison, frère. Il ira se péter le cul tout seul ailleurs. Ouah, t'es trop violente comme meuf. J'adore les meufs. T'as envie de tester aussi? Eh ben, y'a pas de soucis, vous reviendrez le péter. Vous reviendrez en vous tenant la main. Calm down. Arrête. Pas de problème, merci. Ça fait du bien. Ça ira péter le cul de sa mère si elle veut. Je suis mort à la fin, comme ça il ira péter le cul de sa mère si... Il faut savoir qu'après ça, justement, du coup, Canel, elle les avait dégagés du vocal ou du Discord, je sais plus. Et ils sont venus sur le live, du coup, à l'écrit, pour nous dire, ouais, les gars, c'était pour rigoler et tout. C'est pour ça qu'après, on les a repris en vocal, mais ça y est pas dans la vidéo. Ouais. On les a repris en vocal. Après, on a pu parler normal avec des mecs normal en vocal. Et c'est là qu'ils nous ont dit, justement, voilà, les gars, c'était pour une vidéo, vous inquiétez pas, rien de méchant. Si vous voulez passer dans la vidéo, si vous voulez pas passer dans la vidéo, dites-le nous et tout. Ah ouais. Mais en tout cas, moi, je dis super vidéo. Moi, je me suis super bien marré. Avec vous, bon, ok, pendant une heure de stream, le live il était niqué, mais on avait toujours des viewers, les gens ils étaient contents quand même, et bon, c'est pas grave, c'est pas dérangeant, du moment que, bon, voilà. Après, c'est un petit peu dérangeant pour Ryzen, parce que du coup, le nombre de viewers est parti, mais après, ouais, bah, moi, j'ai pas la commune à l'écart, encore, ouais. Hein, j'ai pas 25 millions d'abonnés, donc bon, voilà. 25 millions. Bon, si on sait, en tout cas, franchement, c'était cool. N'hésitez pas à aller checker leur vidéo, du coup, je leur mets dans la description. Et sur ce, pareil. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez bien Blue Real. Voilà, ça peut peut-être éventuellement devenir un mec super gentil pour après, pourquoi pas. On sait jamais. Mais en tout cas, sachez que moi, j'ai mis un like à sa vidéo, même s'il y a des moments qu'on critique un peu, mais franchement,
Vas-y, c'est normal, les youtubeurs, ils prennent, ils cut un petit peu à un moment et tout, c'est normal. Mais sur ce, la même. En tout cas, super sympa. La même, les gars, d'ailleurs, j'ai mis le petit like, hein, vous avez vu, et j'ai même mis un petit commentaire et les cartes aussi. Hein. D'ailleurs, on voit lequel ouais. a le plus de fanbase. Moi, il y a 0 com, lui, il en a 17. Voilà. Bon, on s'en fout. Et voilà, allez-y. Donc, la chaîne, c'est ça, Blue Real, les gars, n'hésitez pas. Bon, moi, je ne suis pas abonné. Hein. Allez, voilà. Allez, vas-y, moi aussi, je fais l'abonnement et tout. Et peut-être que dans deux jours, je vais voir Blue Real si t'es abonné à votre chaîne. C'est ça, peut-être moi aussi, voilà, Blue Real, hein. Tu nous as affiché pendant une heure, alors tu peux t'abonner à notre chaîne. Non, mais voilà, les gars. Voilà, voilà. Comme d'hab, hein, les gars. Oubliez pas le petit like, le petit com, le petit abonnement. Et si vous cherchez un Discord communautaire, les amis, rejoignez le Discord de la Fataliste qui est en description de nos deux vidéos. Vous allez voir, super cool. Et si vous voulez faire énerver Canel en vocal, bah venez sur le Discord, allez tout le temps en vocal, les gars. Donc, rejoignez la secte. Rejoignez la secte et faites-la péter un plomb. Oh, faites-moi des recs, les gars, parce que je sors des vidéos storytime de merde éclatées sur Canel. Donc, n'hésitez pas, d'ailleurs, hein, les gars. C'est ils sont ça. Éclatés, ils sont éclatés, mais bon, ça marche. Donc voilà. Mais en vrai, voilà, encore merci à toi, du coup, Blue Real, pour la petite vidéo. Et moi, sur ce, je te souhaite le meilleur. Et du coup, ciao. Si t'as un dernier mot à dire, mon petit Ryzen. Go les 400K pour Blue Real, les gars. Ciao. Allez, bisous. Bisous.